Et salut tout le monde, c'est Mister Jo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de la Dark Zone. Donc la dernière fois on s'était laissé juste derrière là. Juste derrière, et donc je suis rentré dans la zone de décontamination, on va dire ça. Et on peut voir qu'il y a un marchand. Déjà je me réapprovisionne. Voilà, 9 munitions, c'est 9 munitions. Tu vas m'acheter un truc, pas vrai? Et nous avons du bon matos. Du bon matos. Par contre, il faut être grade 8. Malheureusement, je ne suis pas grade 8. Je ne suis pas grade 8. Par contre, ouais, c'est plutôt intéressant ce qu'il y a. Ce qu'il y a, J'attends ce là qu'il y si tu a. changes d'avis. Yes, of course. Bien sûr. Donc, Attention, on y risque va. bactériologique. C'est parti. Transmission brouillée. Couverture de proximité uniquement. Avertissement, backup activé, redémarrage du système. Très bien, bon. Alors, il paraît que la Dark Zone... Comment? La Dark Zone est censée être une zone de PVP. Ok, donc quel métro, on dirait, juste en dessous. La zone d'extraction. Zone d'extraction. C'est quoi ça? Pourquoi ça clignote? Zone d'extraction. Ah, dans 6 secondes, ouais, non mais dans 6 secondes, je fais pas 3. Je fais pas 600 mètres en 10 secondes. Rencontre. Ok. Bon. Bon. Donc apparemment, on pourrait avoir du loot. Je me suis un petit peu renseigné. Oula. Petit bug. Donc voilà, on peut avoir du loot ici en réussissant à avoir les extractions. C'est un joueur ça. Si je veux, je peux l'arracher. Tu vas pas m'attaquer, hein. On applaudit. Oh, mon masque à gaz! Vous avez pas remarqué, c'est trop stylé. Donc, c'est que si le mec est passé là, ça veut dire qu'il est censé y avoir sûrement une extraction qui devrait arriver ici. Je ne sais pas quand il y a la prochaine extraction, mais bon. Ça a l'air d'être premier arrivé, premier servi. Oui? Non? Qui est-il? Qui est-il, monsieur? Allez, on va le suivre. On va le suivre. Voilà. Salut, salut. Oh, mais c'est que nous sommes plusieurs. Très bien. Ok. Bon, écoutez, moi j'ai pas que ça à faire à vous amener. C'est à vous. Military personnel only. Ok. Bon. Bien, 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 bien. Très bien. Je suis très. J'aurais tellement eu envie de monter là-haut, quoi. De monter tout en haut. Ça aurait été tellement bien. Ok. Bon. Eh bien, les amis. Nous allons aller dans le métro. Voilà, tout simplement. On va visiter un petit peu le métro. Voilà. Je me dirige, mais je m'y dirige. Donc, notre but est tout là-bas, apparemment. Okay. J'ai découvert une zone, cool. Grade 2 atteint. Bon. Vous allez quitter la zone de contamination. Ouais. Oh, joli. Joli, joli. Mais ça me dit toujours pas ce qu'est cette histoire. Alors, est-ce que ce sont des joueurs? Ce sont pas des joueurs, je ne sais pas. On va y voir ceci. Ah, attendez, le zoom est ici, voilà. Zone contaminée, ok. On va aller sur ce checkpoint. Voilà. Bon, il faut se donner des objectifs pour pouvoir avancer. Donc mon objectif sera d'aller juste ici. J'ai l'impression que c'est pour sortir de la zone. Ouais.
checkpoint, ça m'a l'air de... Pour sortir de la zone. L'extraction arrive. Alors, qu'est-ce que l'extraction? Good question. Good question. Donc, bien, voilà. C'est super. Voilà. Voilà, j'aime pas du tout le bruit que j'ai entendu, quoi. Bon, qu'est-ce que je dois faire dans Dark Zone exactement? Parce que c'est bien beau d'y aller, mais voilà, hein, c'est bien beau d'y aller. Point de repère. Allons au point de repère. Allons au point de repère, les amis. Les Midélites sont plus résistants et plus dangereux. Ok. Quoi? Oh là! Il y a des ennemis. Ok. Olé! Ok. J'ai tenté quelque chose. Ouais. Disons que je me suis fait viol. Je me suis fait viol. Bon. Très bien. Il y a vraiment un but à cette zone ou... Parce que, enfin... C'est pas que je me pose la question, mais c'est que je me pose la question. Un petit peu. Allez. Hop. Bon, c'est cool de se faire exploser. Bon, on va essayer d'explorer plus, hein. Écoutez, les amis, ça m'a pas l'air d'être des joueurs, ce que j'ai rencontré là. Contaminé. Cette zone est contaminée. Scan. Ça scanne. Je scanne tout, je scanne tout. Ça se trouve, il faut juste que je visite toutes les... voilà. Toutes les zones. Stay out. Restez en dehors. Ouais. Est-ce que... Non. Non, je ne peux pas rentrer dans les bâtiments. Ça aurait été cool. Ça aurait été cool. Je suis un peu déçu. Attention, vous êtes sur le point d'entrer dans une zone de contamination. Ouais. Ouais, sauf... Enfin, j'y suis, mais bon. Ok, ça me dit pas lieu de découverte. Vous êtes en train de quitter la zone de contamination. Nos soucis, les amis, nos soucis. Nous allons faire quoi? Est-ce qu'il faut aller arracher les deux, les autres mecs, là? Oula. Ouais, non, mais ce truc-là... Bien, et bien, et bien... Voilà, c'est magnifique, on se promène, on court. J'ai que ça à faire de courir. Je ne sais pas quoi vous dire en attendant. C'est super. C'est un moment pour que les hélicos se posent. Très très bien. Et... Ensuite, ça c'est les points du métro. Retournons dans le métro, voilà. Voilà. Enfonçons-nous toujours plus, toujours plus loin, toujours plus fort. Ah, salut. Ok, bon. On a croisé un autre joueur, c'est bien, il n'y a pas que des... Il n'y a pas que rien. L'extraction arrive. Là, vous avez besoin de clés, très bien. Je n'ai pas eu le temps de lire, c'est cool. Alors, c'est pas que... Ah si, il y a du PVP. J'aurais pu arracher le mec, mais bon... Pour pas arracher le mec, j'étais là en mode promenade. Promenade, et j'ai mis pour le même dans le petit métro. Et... Je dois dire qu'il n'y a rien de particulier en fait. On va tenter d'aller voir l'extraction vu qu'il y en a une là. Si je remonte à la surface à temps, ce que je doute fortement.
puisque je me suis perdu. Voilà, je me suis perdu. Je me suis perdu dans un champ de riz. Pourquoi du riz? Pourquoi du riz? Ah, c'est encore toi. Très bien. Très bien, on se croise, on se s'entrecroise. J'espère qu'il va pas me... va battre par derrière. Ok. Très bien. Je ne trouve plus la sortie. Les amis, au secours. Vous avez quitté la zone. Oui, je sais. Je sais. Je sais et je vais remonter. Voilà. Le seul truc que j'ai remonté, que j'ai trouvé, c'est ici. Et le point où je vais aller, c'est à l'autre bout. Waouh, c'est fantastique. Alfredo. Salut. Ah là là là, ça se trouve, je vais me faire arracher en marchant tranquillement. La 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 la. Ouais, ça bon. Les amis, pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à part que ce soit une zone de PVP. Ça m'a l'air juste une petite zone de PVP. Et rien de très très spécial. Zone d'extraction. Je suis dans une zone d'extraction, c'est ça? Il va y avoir quelque chose où je peux avoir un loot. Ou... pas du tout. Quel est le projet? Quel est le projet? Nouveau point de repère. Ça c'est quoi? Zone d'extraction. Pas d'objet éliminé. Nouveau. Bon. Allons voir. Allons voir les amis. Cet épisode m'a l'air d'être... d'avoir proposé d'être plutôt calme. Voilà. Voilà, on sabote le matériel. Sabote le matériel. J'ai que ça à faire. L'extraction arrive dans pas longtemps. Ok. Qu'est-ce que c'est long? On peut pas avoir une moto ou quelque chose dans le genre, parce que c'est pas que j'en ai marre de marcher, mais... j'en ai marre de marcher. Oh là là, je suis même pas encore arrivé. Hop. Voilà. Prépare to show ID. Ça pue par ici. Là, ça sent... ah, c'est la zone où je me suis fait arracher. Allons voir notre petit point là. Déjà, ça peut être déjà pas mal. Zone destruction découverte. Ok. Ne mort gaz. Il n'y a pas plus de gaz, bonne chance. Il n'y avait plus d'essence. Ah, ça devait être une sacrée quarantaine alors. Ouais. Checkpoint découvert. Elle fait combien de kilomètres? Cette zone fait combien de kilomètres, sérieux? Ok. Zone destruction. Ok. Découvrir un nouveau checkpoint, hein. Écoutez, bon, à part découvrir des checkpoints, je vois pas vraiment. Hélico en approche. J'ai rêvé où il y a un autre joueur. Extraction en cours, arrivée. Est-ce que vous pensez que je peux l'arracher en douce? Attends, je pense qu'il n'a pas de recul. Voilà. Si je l'arrache, je rigole. Peut-être de l'action. Peut-être de l'action, les amis. De l'action. Toujours de l'action. 48 secondes. Bon. C'est vachement long. Hein.
Allez. Non, le mec s'est barré, c'est ça? Les mecs, j'ai tellement envie de l'arracher. C'est un truc de fou. Regardons en haut. Regardons en bas. 5 secondes. 5 secondes et il se passe quoi? Extraction du colis en cours. Ok. Effectivement, on peut s'arracher. Allez. C'est moi qui l'ai eu? Ah oui! Ah oui! Ah j'ai tout eu! Oh qu'est-ce que je suis bon! Ah oui! Extraction terminée. Oui! Ah qu'est-ce que je suis bon! Ah je suis heureux! Je suis heureux les amis! Je l'ai arraché et voilà! Donc en gros ouais, il y a des petites extractions, on peut avoir du loot. Ah bon, je suis content, j'ai fait au moins quelque chose de bien dans cette vidéo. Alors, ah ouais, genre j'ai, oh là là, ok, je suis ultra loin. Bon, on va sortir de cette zone. On va sortir de cette zone tranquillement, voilà, tranquillement, on va faire ça tranquillement. On va pas s'embêter. Ah, je suis tellement heureux, vous imaginez pas à quel point je désespérais qu'il se passe quelque chose. Et je suis plutôt content d'avoir activé la bonne compétence là, d'avoir miné le mec sans qu'il se rende compte. Comme ça, quand il a commencé à me maraver, je l'ai explosé. Voilà, normal. Hein. Je l'ai explosé, il était étourdi, je l'ai fini. Et les deux autres n'ont rien pu faire. Voilà. C'était magnifique, je m'aime. Bon. On se casse d'ici, voilà. Je pense qu'on en a assez vu, c'est du PVP, petite zone PVP. Tranquille. Je vais essayer d'ici les armes. Regardez ça. Ouais. Tu trouveras jamais aussi bien qu'ici. Yeah. Vendre. Je vais pas vendre, mais... Je sais pas ce que j'ai chopé exactement. Ah, c'est pas le même argent. Ok, c'est pas le même argent. Très bien. Tu vas revenir, tu verras. Yes, attends. Déjà, avant de revenir et avant de partir, je te requête. Voilà, merci. Et je me casse. Je me casse, je suis pas à la bonne sortie. Ça déconne pas, viens voir. Dégage. Bon. Bien. Attention, risque bactériologique, zone hautement contaminée. Très bien les amis. Bon, je vais faire une petite ellipse et je vais voir ce qu'on peut faire d'autre dans cette vidéo. Voilà, à tout de suite. Et bien les amis, on se reprend. Alors j'ai quitté la Dark Zone. Niveau 6. Hein. J'ai quitté la Dark Zone. J'ai foiré mon truc. Bon, eh bien, on va essayer de les arracher. Oh, attendez. Oh, on peut rentrer. Oh, on peut rentrer. Oh, c'est classe. Je voudrais une chambre, s'il vous plaît. On a fait ça péter dehors, là. Voilà. Ils sont en train de devenir fous. Très bien. Je ne sais pas à quoi ça me sert. Juste à traverser une rue. Très bien. Bon. Traverser une rue, ouais, pourquoi pas. Ça coupe. C'est vachement magnifique. On n'arrête pas de le dire, mais c'est pas grave. Bon, on va essayer de les arracher. Allez, je suis chaud. On va les arracher. CCPD. Déployez
Si, rien du tout. Attendez, est-ce que je voudrais... Voilà. Hop. Hop. Ils sont plutôt résistants, dites-moi. Ça, si ça te décroche pas les cheveux, hein, j'ai plus rien. Il y a trop de recul. Voilà. Ça, c'est fait. Oula. Ils m'ont fait mal. Hop. Lui, on le finit. Il y a tellement de recul. Oui. Attention, présence hostile détectée. Ah. Trousse de secours, cool. J'en ai utilisé une, j'en récupère une. Ça, c'est plutôt pas mal. Lance-flamme. Non, lance-flamme, c'est prohibé. Voilà. Oh. Genre le mec il en peut plus. Hop. Ok les mecs. Qu'est-ce que c'est? Sauver l'otage. Bon bah sauvons l'otage. Sauvons l'otage. Est-ce que c'est une mission? Je crois que c'est une mission secondaire mais... Ouais, le mec au lance-flamme, déjà de 1 tu me défonces les yeux. Ouais, je crois que j'ai eu un bon truc. Pense se mettre à couvert, non il connaît pas. Bon, je fais vachement mal avec cette arme mais... Qu'est-ce que c'est dur de viser. Et qu'est-ce que c'est long de recharger. Allez, on sécurise la zone. C'est parti. Qu'est-ce que j'ai eu? Fusil à double canon. Ah, ça fait que du 1002. On va équiper, hein. On va bien voir. Ah ouais, c'est du fusil. Mais en DPS, apparemment, il est moins bon. Ce qui est un petit peu dommage en soi, hein, d'accord. Mais ouais, je pensais pas qu'il y aurait des mecs chauds au lance-flamme. On m'avait pas prévenu, c'était pas dans le contrat. Bon, essayons de sauver l'otage. Où est l'otage? C'est verrouillé. Ils m'ont enfermé. Les clés doivent être quelque part par là. Oh non, vous êtes pas sérieux, genre il faut aller chercher les clés. Ok. Je peux pas avoir plus de 3 soins, c'est un peu bête ça. Non les mecs, non je vais pas m'amuser. Ah, les clés. Ok, je vais pas m'amuser à ouvrir toutes les clés. C'est toutes les clés possibles. Possible, j'en arrive plus à parler, c'est terrible. Chercher toutes les clés possibles. Les civils ont été mis en sécurité. Merci. De rien. J'étais mort de trouille. Ouais. Merci. De rien. Je pars d'ici. Allez, grouille. Grouille. Sors. Bon, je rentre. Vraiment. C'est ouais. Génial. Oh, mais Rudolph. Elle s'en bat les steaks, même pas un merci, quoi. Ah, je le disais aussi. Je me disais aussi. Équipé. Ça ressemble à quoi? Ah oui, c'est du coup par coup, mais le pompe a l'air peut-être pas trop mal. Olé. Bon. Ok, bon, on a libéré des otages, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à faire à part soutien de la... Quelques rencontres.
Allons tester cette rencontre là. Très bien. Allez, allons-y. Allons-y les amis. C'est parti. J'ai que ça à faire. De toute manière. Oula. Non, je ne voulais pas tirer. Lui, je crois qu'il a voulu m'aborder, mais je l'ai totalement ignoré. Et il a dû se sentir mal. Allez, j'y suis presque. On coupe. Oh, on coupe. Voilà. Nia, voilà. Nia, voilà. Allez, c'est loin. Encore 100 mètres. 100 mètres encore. Allez. Vous voyez quelque chose? Oh, je l'ai one-shot. Ah ouais, dur. T'es un méchant? Non, t'es pas méchant. Ah mais mec, t'es... Oh, dur. Oh, la puissance de ce fusil à pompe. Je crois qu'il va me plaire. Ah purée, t'es là. Voilà. 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 J'ai drop des gants de moto. Des gants de moto, tiens. Ça vaut 28 quoi, je prends. Quitte à vendre après. Alors, je ne peux pas passer par. Est-ce que ça je ne peux même pas ouvrir quoi. Non. Ok. Ben écoutez, je suis pas déçu d'avoir trouvé ça. Ça m'a l'air plutôt badass. Allez. On était censé à la base aider les autres là. Bon, on va régler les histoires de couple avant. Voilà. Je croyais que vous vouliez m'aider. Voilà. Voilà, le pervers, tu dégages. Est-ce que... Ouais, c'est tentant de savoir si on peut, mais bon. Ça vous embêterait de pointer ça ailleurs ? Je pointe ça par terre. Et si tu parles de cette autre chose, non. Non, c'est pas pour toi. Allez ! J'ai l'impression de tourner en rond, non ? C'est une idée plutôt intéressante, ce qui est... Que dis-je ? Si ça, ça pète... Si ça, ça pète, ça doit être magnifique, mais ça doit être violent. Ça ne pète pas, c'est nul. Communication radio ITF interceptée. Okay. Nous essuyons des tirs d'armes légères. Je répète, nous essuyons des tirs d'armes légères. Des pillards nous ont repérés. Si quelqu'un de la JTF entend ce message, répondez. Ouais, de toute façon, c'est un fusil. Analyse terminée. Comme tout fusil à pompe, je peux le faire pourtant. J'avoue que je suis pas très à couvert. Voilà. Go! Hus! 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 Hop. Voilà, je sais, je me prends des dégâts pour rien, mais bon. Alors lui. Voilà. Il a pas eu la chance deux fois. Des grenades tacitogènes. Théoriquement, il y en a un là. Non. Ok, bon. Genre c'était... Composant électronique découvert. Oh. Est-ce que j'ai débloqué quelque chose? Est-ce que... Est-ce que j'aurais débloqué un truc bien? Ah, je dois lui parler. Sans vous, on serait tous morts. Yes. J'espère qu'ils réfléchiront à deux fois avant d'attaquer une patrouille de la JTF. Attention, force hostile en approche. Vraiment, je peux te protéger. Tango en approche. Tango. Tango Charlie. Pas d'emmerdeur ici. Alors toi. J'ai connu plus discret. Plus discret. Allez, Tango Charlie à l'appel là. Ouais. Ils sont un peu beaucoup, non?
Et ils font mal. Ok, pas de soucis. Allez les gars. Allez. Tango Charlie. Charlie à la lune. Bon, lui, je vais me le faire au peupon. Hein. Hop, soin. Ouais, je sais, j'y vais à l'arrache. J'en suis conscient, je fais un petit peu n'importe quoi. T'as vraiment cru quelque chose. Poignée inclinée. Ok, on va la prendre. Voilà. Bonjour monsieur, je passe à travers les balles comme si de rien n'était. Et il faut en avoir combien? Ok, lui il va balancer son petit truc, voilà. Ah. Salut les mecs. Surveiller ses arrières est un peu la base. Voilà. Cible sécurisée, aucun hostile à proximité. Ok. Bon, rencontre de soutien terminée. Nickel. Nickel, nickel. Ouais, victoire, victory. Victory. Quoi? Est-ce que je pourrais me servir quelque part là-dedans? Hein? Qu'est-ce qu'il y aurait là? Ah. Regarde-moi. Composant électronique. Mais c'est bon ça. C'est que c'est bon, on a découvert un truc plutôt pas trop mal, un magasin d'électronique. Tu dis ça parce que on les a totalement arrachés. Voilà. Un autre composant électronique. Encore un autre ordi portable qui lévite. Ok, là c'est mieux, hein, parce que si tous les ordi portables se mettent à léviter comme ceci, c'est que nous sommes pas sur Terre. Voilà, nous sommes pas sur Terre. Voilà. Tous les ordis lévitent. Les ordis. La lévitation. Hop. Alors attendez. Oh non, ça marche pas. Je veux. Qu'est-ce qui se passe encore? Non les mecs. Bon. Voilà. Hein, j'ai compris. Masque de protection, bah, parfait. Non, par contre, si tu pop après, on va pas s'entendre. Si tu pop après, on va pas du tout s'entendre. Et une grenade... Non. Voilà. Bon. C'est bon? C'est fini? Oui, oui, bon, j'ai pas que ça à faire, moi. J'étais dans mon petit magasin d'informatique. Voilà, à faire léviter tous les PC que je pouvais. Voilà, faisant léviter les ordi. Voilà, j'ai un pouvoir de lévitation dans ce jeu. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Hop. Et on éteint tout pour pas attirer les gens, hein, bien entendu. Vous connaissez le truc, il faut éteindre toutes les lumières. Est-ce que... Non, ça aurait été trop beau de pouvoir éteindre les lumières. Les lumières ici. Est-ce que je peux pas éblouir? Bon. Apparemment, le raquettage n'est pas au projet. Bon, eh bien les amis, on va se laisser dans notre petit magasin d'informatique. Voilà, je le défendrai coûte que coûte. Je veux mes PC. Sans PC, je peux pas faire de rendu vidéo, vous comprenez? Bon. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura découvert un petit peu de Dark Zone. J'aurais réussi à faire une extraction. Totalement le truc inattendu de la vidéo, je pense. Voilà, et on aura découvert quelques petits composants électroniques. Donc en fait, les rencontres... voilà, les rencontres, on peut avoir... En place, je peux avoir des ravitaillements pour l'aile médicale, ici aussi. Là, je pourrais avoir de l'aile de sécurité. Ok, donc apparemment, je pense qu'il faut remplir le maximum de missions. Maximum de missions, voilà. C'est dommage qu'on ne peut pas se TP parce que bon, marcher, c'est un peu relou. GPS. Et
Ok. Bon. Civil dans le besoin. Qu'y a-t-il, madame ? Il y en a que pour votre gueule, c'est ça. Mais non, mais laisse-moi donner le kit. Mais... Ah, tu... Reviens. Alors là, elle m'a insulté, puis après que je lui ai donné le kit. Ouais. Barre-toi. Bon. Eh bien les amis, voilà, c'était ma fin de vidéo. Et cette dame m'a perturbé. Et donc je crois que j'ai tout blablaté, aimé, partagé, commenté, tout ce que vous voulez. Voilà. Et on se laisse ici. Ça sera sûrement le dernier épisode voilà, de The Division. On aura vu un petit peu de tout. On vous attend dans votre réserve. Très bien. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et bye tout le monde.